This forum, by the way, has been organized by People's Voice newspaper, which I think is on the way. And this is Canada's Labour and Communist newspaper. If some of you are familiar with it, I'm glad that you are. If you're not, you might want to consider having a look at it, and if you like it, get a subscription to it. Why? Because it gives you information you won't get anywhere else. And B, we need the subscription base to grow so we can keep publishing. Donc, cette séance est organisée par le journal People's Voice, qui est en route, qui va être acheminé d'ici peu dans la salle ici. Vous aurez donc l'occasion d'y jeter un œil. Vous êtes invité même à en prendre une copie. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, vous êtes fortement encouragé de souscrire à ce journal, puisque c'est le journal qui vous donne, qui donne les informations que vous trouverez nulle part ailleurs. C'est le journal du mouvement syndical, ouvrier et communiste au Canada. And there's also a newspaper in the French language called Clarté, which is in the same situation. We invite you to read that as well. Et dans le même cas, il existe un journal en français que vous êtes également invité à consulter qui s'appelle Clarté. So enough of the commercials. The title of the talk is How to Build a People's Coalition. In the context of war, austerity, and the struggle for socialism in Canada. Donc le sujet de cette conférence tourne autour de la construction, la mobilisation d'une coalition populaire dans un contexte d'austérité, de crise et de guerre. So I thought I would begin with making some remarks, and then I hope we can have some back and forth. I'd like to hear what your thoughts are. Et donc, je vais commencer avec quelques remarques d'ouverture, mais j'aimerais surtout qu'on se réserve du temps ensuite pour échanger. So I suppose the first question is, why do we need a people's coalition, and why are we proposing a people's coalition? Donc, j'imagine une des premières questions qui vient en tête, c'est pourquoi a-t-on besoin d'une coalition populaire? And probably it is for all of the reasons that brought you to this gathering here in Montreal this week. Et l'une des raisons, c'est peut-être celle pour laquelle vous êtes venu ici cette semaine à Montréal, au forum. It's because we have 2 million unemployed in this country, and more who are underemployed or who are in precarious work. Et c'est parce que nous avons 2 millions de sans-emploi, de chômeurs dans ce pays, au Canada, et encore plus d'emplois précaires. It's because our social programs, universal social programs across the country and in Quebec are being systematically dismantled by one government after another. Et c'est parce que nos programmes sociaux, partout au pays, ainsi qu'au Québec, ont été démantelés par les gouvernements successifs. It's because our economy has moved from being a growth economy into being an economy which is increasingly based on not on manufacturing but on oil, petrodollars, and on war. Et c'est aussi parce que notre économie, qui était une économie basée sur une certaine forme de croissance, est de plus en plus une économie basée sur le pétrole, les pétrodollars, l'exploitation des ressources naturelles. Et la guerre. Et la guerre. C'est bien. Very important, thank you. It's because our country has abandoned a policy of two-track foreign policy, which it had for many years during the period of Pierre Trudeau, and adopted a foreign policy which is completely in sync and united with U.S. Foreign policy. Et c'est aussi parce que maintenant, contrairement par opposition à avant, la politique étrangère du Canada est une politique étrangère de plus en plus liée et intégrée à la politique étrangère des États-Unis. And it's because Canada is actively involved in U.S. dirty wars virtually around the world. Et c'est parce que le Canada est impliqué dans des sales guerres dirigées par les États-Unis un peu partout à travers le monde.
It's because Canada used to have civil liberties and freedoms for the majority of the population, although labor was always not in the same position, always had restrictions. But we now have security state laws which threaten the civil liberties of all Canadians and certainly of people who are residents and not citizens in this country. C'est aussi parce que le Canada, qui était un pays où il y avait une certaine liberté, il y avait plusieurs droits démocratiques, maintenant on se retrouve dans une situation où il y a de plus en plus de lois antidémocratiques qui nous sont imposées. Et en particulier aux Canadiens, mais pas que aux Canadiens, aussi aux résidents non citoyens. It's because Canada is one of the biggest contributors to the environmental crisis as a result of our mining companies, which are our biggest export around the world, and as a result of the Alberta tar sands. Et c'est aussi parce que le Canada est impliqué. Est un des plus gros joueurs dans les changements climatiques, un des plus grands responsables des changements climatiques, et en grande partie, c'est dû justement à l'exportation des sables bitumineux albertains. Et notre autre grande exportation, qui sont les compagnies minières canadiennes. Oui. Merci. Non, mais c'est correct, c'est bien. It's because we have had successive governments, conservative, liberal, and at the provincial level across the country, NDP governments, which have followed a consistent line of assisting corporations and multinational corporations and driving down and adopting and implementing policies to drive down wages and pensions and living standards for working people across the country. Et c'est parce que les gouvernements successifs au Canada ont pris parti aux côtés des grandes compagnies et ont ainsi fait pression sur les droits du travail, sur les droits sociaux et sur le salaire et les pensions de retraite. And finally, I think I have to add here that likewise, we have successive governments who are unwilling to address the fundamental constitutional inequality of the founding nations of Canada. In Quebec, Aboriginals and Indigenous peoples and working people in English-speaking Canada. Et finalement, je pense que c'est important de le noter ici, c'est parce que les gouvernements successifs n'ont jamais voulu régler le problème fondamentale de la question nationale ici, de l'inégalité entre les nations qui ont fondé le Canada. C'est cette question constitutionnelle, ils ne veulent pas l'adresser. Et donc, ces dites nations, on fait référence bien sûr ici au Canada anglophone, au Québec, aux Premières Nations, aux Acadiens. It's because of the continuing inequality of women and the growing wage gap between women and men, and even larger wage gap between women of color or indigenous women, and men of color and particularly white men. C'est aussi à cause de l'inégalité entre hommes et femmes, en particulier l'iniquité salariale qui est toujours là et qui est encore plus grande quand on parle de femmes de couleur. And finally, it's because the youth of this country are inheriting this mess. Et finalement, c'est parce que la jeunesse de ce pays hérite de ce foutoir. Ouais. So we advocate a whole series of policies to address these fundamental injustices, and we advocate a strategy to change the situation. And the strategy that we are advocating in the immediate term is the Fight for a People's Coalition, which means essentially that all of the groups that I have mentioned, all of the sections of the population, I didn't mention the farmers, I could have mentioned a lot more, and I'm sure you know them as well or better than I do. All of them in one or another are being affected by the policies of neoliberalism, the policies of austerity, the policies of war, and the policies of capitalist governments.
in Canada and around the world. And all of them in there. You'll have to wait. Donc, essentiellement, tout ça fait que nous avons une série de politiques que nous revendiquons, mais aussi une stratégie pour essayer de mettre fin à ce merdier, comme tu disais, Bill. La stratégie dans l'immédiat que l'on favorise, c'est celle d'une coalition populaire qui regrouperait toutes les sections de la société que j'ai mentionnées précédemment, plusieurs autres, et certaines autres aussi. Je n'ai pas mentionné la question des fermiers, des paysans, mais j'aurais pu le mentionner aussi. Enfin, c'est une coalition qui rejoindrait tous ceux qui sont victimes des politiques de néolibéralisme, d'austérité, de la guerre et des gouvernements capitalistes. And essentially, what we mean by a people's coalition is that all of these forces whose interests have been negatively affected, some very negatively affected, have an interest in coming together to change the situation. That's what the last election was about. You remember, they all campaigned for change. It's because people are desperate for change. Toutes ces sections ont un intérêt commun. Toutes ces sections de la population ont un intérêt commun, qui est le changement. Toutes ces sections de la population ont intérêt à se mettre ensemble pour atteindre ce changement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir lors des dernières élections fédérales, où la société civile s'est mobilisée justement pour le changement. And it's evident that the current parties that are in Ottawa and or in provincial legislature Quebec National Assembly, with the part, we'll come back to the question of Quebec Solidaire, if you don't mind, but other than that, that they are unwilling to introduce the kind of policies that are necessary to really change the situation. Et c'est vrai que au Parlement fédéral, comme l'Assemblée nationale au Québec, mettons à part pour le moment la question de Québec Solidaire, si vous le voulez bien, on y reviendra tout à l'heure, tous les partis ne sont pas à même de représenter les demandes de ces sections de la population pour engendrer un changement. I'd like to see if it's a good moment to point out that it's not all political parties which are unable to advance policies that would affect real change. It's only those who are currently in office. Et ce ne sont donc pas tous les partis politiques qui ne peuvent pas amener le changement. Ce sont seulement ceux qui sont au pouvoir en ce moment, ceux qui sont élus et qui ont des élus et qui sont au Parlement. And the reason that they are unable to affect change is because all of them, to one degree or another, seek to represent big business and multinational corporations in this country. And how do you know? Look at who donates to them. That tells you everything. Et la raison pour laquelle ils sont pas enclins à impulser ce changement, c'est parce qu'ils représentent les intérêts des grandes corporations. Et comment on fait pour le savoir? Mais il n'y a qu'à voir qui les finance, qui leur donne de l'argent. So we think the People's Coalition that we are interested in is a political space where all of these movements, all of these sectors of the population, and their political parties who have programs which coincide with the interests of those organizations and peoples, together they can get together and form a front that will give them the kind of power that can become a counterweight to the power of big business in this country. Et la coalition populaire que nous voulons, c'est un espace politique qui rassemblerait tous ces partis politiques qui ont des revendications qui coïncident avec avec l'intérêt de ces personnes qui sont affectées négativement. Et c'est de s'assurer, et cette coalition permettrait de créer un contre-pouvoir au pouvoir du grand capital. So, what kind of policies
What kind of policy should they would bring them all together? Well, we think the broad umbrella would be to put severe curbs on corporate power. Et donc, de quel genre de politique est-ce qu'on parle? Quel genre de politique pourrait faire point de convergence? Ben, ce qui est clair, c'est que un élément important, ce serait d'implanter des politiques qui permettraient de faire fléchir le pouvoir des grandes compagnies. So that means that they should be supportive of a Canadian foreign policy based on peace and disarmament. Ce qui veut dire que ces partis devraient soutenir une politique étrangère basée sur la paix et le désarmement. We should cut the arms budget in this country by 75%. On devrait réduire le budget militaire de 75%. We should immediately withdraw all Canadian troops from foreign postings, particularly in Syria, Afghanistan, North Africa, wherever they are. They should be at home. Retirer tous les soldats canadiens mobilisés à l'étranger, que ce soit en Syrie, en Irak, en Afghanistan, mais partout ailleurs, on devrait tous les ramener ici au Canada. But those funds should be invested instead, and it's a lot of money, trust me. It's about $20 billion a year that we spend on the military in Canada. So what could you do with $15 billion? I see you all figure you know what you would do. Qu'est-ce que alors le budget, pour que vous le sachiez, le budget militaire au Canada, c'est à peu près $20 milliards par année. C'est beaucoup d'argent. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec $15 milliards si on réduit à 75%, si on ramasse $15 milliards pour l'investir ailleurs. It would also mean that our kids would not be being recruited into the military because there's no other jobs. That money could be used for education. So we could educate our young people, create jobs for them that are not in the military but are in productive sectors of work. On pourrait créer des emplois ou même l'allouer à l'éducation et faire en sorte que nos jeunes, au lieu de se retrouver au chômage ou alors de partir, d'être recruté dans l'armée, dans les forces armées, on pourrait au contraire leur permettre on pourrait leur garantir un emploi. And I should also say here that the current foreign policy that is being pursued by Canada and the US and the UE is actually a foreign policy, a fascist foreign policy. That's what it is. It's fascism. Not here in Canada, but what we do out there is fascism. Et je dois souligner que les politiques étrangères suivies par le Canada, l'Union européenne, les États-Unis, c'est du fascisme. C'est pas du fascisme ici, mais ce qu'on fait et ce qu'on impose au peuple d'outre-mer, c'est du fascisme. That's why veterans, when they come home, have severe psychological problems. It's because of what they did and what they saw. Quand les vétérans reviennent, ils ont très souvent des problèmes psychologiques, des syndromes liés au syndrome post-traumatique, ben c'est justement lié à ce qu'ils ont fait subir aux autres là-bas. And if we keep on in that direction, we can expect that eventually we will be seeing terrorist attacks in Canada the way that they're seeing them now in Europe and in other parts of the world. It will come here. Hasn't yet, but it will if we don't stop. Et si on n'arrête pas, on va connaître au Canada, comme on le connaît en Europe, comme on le voit en Europe, des tentatives d'attentats terroristes. Il n'y en a pas eu encore, mais si on continue à faire la guerre à l'étranger, il y a fort à parier qu'on en aura. So a foreign policy of peace will also ensure security of the public security in our own country. Donc une politique étrangère basée sur la paix assurerait aussi la sécurité chez nous. So what else should bring these forces together in a people's coalition? Well, how about taxing the wealthy and taxing the big corporations? Alors, sur un autre point qui devrait figurer dans le programme de cette coalition populaire, que penseriez-vous de taxer les riches, taxer les grandes compagnies? Really, the place to look, there are two places to look at the issue of taxation. One is the corporate tax rate, which is in Canada the lowest in the industrialized world. It's lower than it is in the United States. Il est à noter qu'au Canada, le taux de taxation des entreprises est très bas. De fait, c'est le plus bas des
pays industrialisés, c'est plus bas encore qu'aux États-Unis. And if we were to, it's 11.5% is what it is today. Si vous voulez le chiffre, aujourd'hui, les entreprises sont imposées à 11,5%. 11,5%. And it used to be much higher, and it was the liberals during the 90s, and then the Harper government, which really brought it down. And the current liberals have no plans to change direction. Et précédemment, c'était beaucoup plus élevé. Par contre, dans les années 90, les libéraux l'ont fait baisser radicalement, ainsi que les conservateurs qui ont succédé. Et aujourd'hui, ben, les libéraux actuels n'ont aucunement l'intention de remonter ou de changer de cap, de remonter le taux de taxation au niveau antérieur. So when you hear from on the media or from the think tanks that we can't raise corporate taxes because the corporations will leave, it's nonsense. They're not going to leave the lowest tax jurisdiction in North America and in the industrialized world. They're not going to leave. Et c'est bien la preuve que quand on entend dans les think tanks néolibéraux que toutes les entreprises quitterait le Canada si on augmentait le taux de taxation, c'est n'importe quoi. La preuve, c'est que ça existait un taux de taxation plus élevé. Et c'est tout simplement un non-sens de penser que les grandes compagnies vont quitter le Canada si on fait augmenter leur taux de taxation. Ça ne devient pas tous leurs esclaves. Ils vont devenir leurs esclaves, ils vont leur. They might leave for a different reason, however, and that's because there are lower wages paid in the United States. Why? Because they have right to work laws that we don't have, not yet. Mais par contre, il y a une autre raison pour laquelle les entreprises pourraient quitter, et ça, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a plus, on peut payer, les salaires sont plus bas. Et pourquoi? Parce qu'il y a des lois antisyndicales qu'on n'a pas encore ici. So we want to raise corporate taxes to the levels that they were in the 1960s, the 70s and 50s. And those levels were upwards of 80%, 70%. And I want to remind you that this was the period of economic boom. And the corporations didn't have much to say about their tax rates. They were too busy counting their profits. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le niveau de taxation revienne à ce qu'il était dans les années 70, 60, 50, à l'époque du boom économique. Et juste pour l'anecdote, le taux de taxation à cette époque était de 70-80%. Et les entreprises ne se plaignaient pas, au contraire, elles étaient trop occupées à compter leurs profits. And if you read the business pages in the newspaper or you Google what's happening to the corporations, most of the big corporations are making enormous profits today. And which are the ones that are going under? These are mainly the small businesses. They're the people who are work 24 hours a day. They have the whole family working. They put everything in it. And when their businesses go belly up, these are the people that Trump is drawing on. Et aujourd'hui, si vous regardez, si vous lisez un peu les pages des affaires dans les journaux, vous allez bien, vous avez certainement remarqué que les entreprises font des profits mirobolants. Et qui fait faillite, en fait, ce sont les petites entreprises, les toutes petites entreprises familiales, par exemple. Et ces entreprises, justement, quand elles font faillite, c'est justement le terreau sur lequel Trump s'appuie pour essayer d'aller chercher son capital politique. So also on taxes, we want to eliminate taxes, for example, on, this is our policy, on incomes under $40,000. We eliminated the income tax on those incomes and increased the corporate tax rate. There would still be a lot more taxes to be used for health, education, housing, job creation, increasing the minimum wage, a guaranteed annual income, higher pensions, etc., etc. Got all that? Sorry. Pas de profit. Aussi, donc, sur le thème de la taxation, nous revendiquons
que la fin de l'impôt que ne soit pas imposée ceux qui gagnent moins de 40 000 $ par année. Donc, les plus pauvres ne seraient pas imposés. Par contre, évidemment, les entreprises, elles, oui, le seraient. Et malgré le fait que les plus pauvres ne seraient pas imposés, on aurait bien assez d'argent. On aurait beaucoup plus d'argent qu'on en a maintenant pour étendre nos programmes sociaux, pour créer de l'emploi, pour rendre l'éducation gratuite, pour augmenter le salaire minimum, etc. I talked a lot about taxation because we want to see a redistribution of the wealth of this country. And so far we have governments at every level of every political stripe that's had people in parliament so far who want to who are supporting big corporate tax cuts, and this is a key element of the neoliberal agenda and of austerity. So it's very important that this be a key element on our side of the argument, that a people's coalition must address the issue of taxation. Je parle beaucoup d'ici de la taxation, de l'imposition. C'est parce que partout, c'est parce qu'il faut absolument qu'il y ait une redistribution de la richesse dans ce pays. C'est parce que les grandes compagnies partout au Parlement ont des gens qui les représentent et puis qui poussent vers la réduction des impôts et de leur taxation. Alors nous, il faut que de notre côté aussi, on soit fort sur ce point et qu'on soit capable, dans notre coalition populaire, de nous mobiliser pour que la taxation, ce mécanisme soit usé à notre avantage. At the same time, we should be looking at nationalizing the banks and insurance industries. Et en même temps, qu'on pense à ce thème de taxation, il faut que l'on pense aussi à la nationalisation des banques et des compagnies d'assurance. We need to make sure that we reverse all the trade deals, not just renegotiate them, reverse them, defeat them. Et il faut aussi que l'on en finisse avec les traités de libre-échange, pas juste les renégocier, mais vraiment en finir, s'en retirer. The current trade deal, the Trans-Pacific Partnership, would create powers like they have in the EU that make national sovereignty and national parliaments subordinate to these deals. So they're more powerful than national governments. En ce moment, l'accord de libre-échange qui est en train d'être négocié, le partenariat transpacifique, veut créer, comme on l'a en Union européenne, un pouvoir qui permettrait aux entreprises d'avoir à leur botte les gouvernements. So these are sort of the big issues. The other issues are to use these funds and use these powers to raise living standards, raise wages. Et nous devons aussi utiliser le pouvoir pour le pouvoir qu'on nous offre pour augmenter le niveau de vie et les salaires. Strengthen social programs. Renforcer les programmes sociaux. We want free tuition for students. Nous voulons une éducation gratuite pour les étudiants. Because we're interested in developing an educated workforce. Parce qu'on veut développer une force de travail éduquée. So we have to take this opportunity to thank the students of Quebec who fought so hard to make sure that post-secondary education remains accessible here and from here across the country. This is what do they say? This is where the rubber hits the road in Quebec, but it had an impact right across the country. Et je prends cette opportunité ici pour remercier et saluer les étudiants du Québec qui se sont soulevés en 2012 pour garantir l'accessibilité de l'éducation. Et je dois dire que c'est malgré le fait que le Québec soit le cœur de l'action, le feu de l'action a été ici, il reste que cette lutte a eu un impact un peu partout au Canada. So we also want to see the tar sands closed. Not so difficult. They should just do it. But they won't do it. We have to do it. On veut aussi un moratoire, mettre fin à l'exploitation des gaz bitumineux. C'est pas très compliqué, il faut juste le faire. Eux, ils le feront jamais. Ceux d'en face. Mais nous, on doit le faire. Even if we didn't do anything else on the environment, that alone would be a huge contribution. But of course, we can do a lot more. Mais évidemment, c'est clair que... Déjà, si on ne faisait que ça par rapport à l'environnement, ce serait beaucoup. Mais on peut faire beaucoup plus aussi.
And mostly what we think is that we should be able to get agreement that most of the changes that need to be made away from carbon energy sources towards thermal energy, solar energy, wind, tidal, etc., should be in the public sphere. This should be part of the publicly owned energy grid, not privately. Et nous pensons aussi que la question de l'énergie, bien évidemment, il faut se retirer, essayer en tout cas de trouver une nouvelle forme d'énergie que les énergies non renouvelables. Mais on pense aussi que cette transition et l'utilisation même des énergies renouvelables doit être pilotée par le service, ça doit faire partie du service public. And ça doit être donc la propriété du public. And we also want to see manufacturing that is environmentally sustainable expanded. Because, for example, what are we going to do with the oil sands workers, the tar sands workers? Because we plan to put them out of work. Alors, nous, ce qu'on veut aussi, c'est revoir des emplois dans le secteur manufacturier, parce qu'il faut créer de l'emploi. Et c'est, par exemple, tous ces travailleurs de l'industrie des sables bitumineux, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on impose un moratoire sur cette industrie, bah évidemment, ils vont se retrouver sans emploi. But we need a transportation industry in this country. Why not establish it in Alberta? Et on a could build a, you know, urban transit and develop a transportation policy that meets the needs of people and that meets the needs of national development in the interests of Canada. On a aussi besoin d'une industrie du transport parce qu'il faut qui répondent aux besoins de la population partout au Canada. And because we don't have those things, so much of our manufacturing has disappeared, especially from Quebec and Ontario, which is the manufacturing heartland. Et parce qu'on n'a pas tout ça, les usines se sont, il y a eu une désindustrialisation au Québec et en Ontario. And because we don't have any laws at the federal level that would prevent big companies like General Motors or U.S. Steel from just, or Caterpillar, from just taking their plants, moving them out of the country. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas de loi canadienne, disons, à l'échelle fédérale, pour empêcher des entreprises comme General Motors, Caterpillar et US Steel de tout simplement déménager leur usine au sud de la frontière. So now we're in a situation where the auto workers in Canada are in negotiations, Unifor, but it's the auto, the big three, where they're being told that their contract will be concessions, so more two-tier wages. By the way, in the United States, they have three-tier wages in the auto sector. And in exchange for those concessions, maybe they will not take any more plants out of Canada. That's the deal. Donc, en ce moment, à ce propos, il y a des négociations dans le secteur de l'automobile. Et donc, dans ce secteur, en ce moment, donc, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? On doit s'attendre ben, justement à encore plus de concessions. Et ce, en échange, soi-disant, que les entreprises ne seraient pas déménagées aux États-Unis. Plus de concessions seulement pour conserver l'usine sur place. So we need an industrial and manufacturing strategy for Canada that will stop the cutting of good, well-paid, permanent manufacturing jobs, make sure that they are environmentally sustainable, and build manufacturing and secondary industry, a mass social housing program. This is the way to put the country back to work and get the country moving again, kickstart the economy. Et bien sûr, il faut donc garantir le maintien de ces emplois dans le secteur secondaire, qui sont des emplois permanents et généralement bien rémunérés. Et il faut bien sûr s'assurer que ces industries, il faut construire plus d'industries secondaires et s'assurer que ce soit fait dans le respect de l'environnement, évidemment. Et il faut aussi construire des logements sociaux, parce que c'est de cette façon-là qu'on va remettre le pays sur pied, qu'on va remettre les gens au travail. So there are a lot of other things that need to be done, including, for example, around the question of indigenous rights. We need a government that would be willing to immediately settle indigenous land claims.
On a besoin aussi de faire beaucoup plus sur d'autres thèmes, comme le thème des peuples autochtones, où nous devons forcer le gouvernement à respecter les traités. Impose pay equity, pay and employment equity, right across the country in every workplace. On doit aussi nous mobiliser pour l'équité salariale partout dans toutes les entreprises du pays. Put controls on the police so that they are fully accountable to the public and that the shooting of people of color and indigenous people and mass incarceration actually stops. Et on doit aussi responsabiliser la police, trouver un mécanisme de contrôle pour empêcher les forces policières de tirer des gens de couleur ou de violer des femmes autochtones ou alors les empêcher aussi de faire des arrestations massives. Well, you can tell that some people would say that's a revolutionary program. Certains diront que c'est un programme révolutionnaire. And actually it is. It's what you're hearing is the program of the short-term program of the Communist Party. I don't suppose you're surprised. Et oui, effectivement, c'est un programme révolutionnaire. C'est le programme à court terme du Parti communiste du Canada. But we know that when we are campaigning in election campaigns, people read our program and they say, well, I've seen this. They say, that's it. That's what we need. Et je peux vous dire, je l'ai vu moi-même, j'en ai été témoin. Lorsqu'on est en période de campagne électorale et qu'on distribue notre programme, des gens le lisent et disent, voilà, c'est ce qu'il nous faut. And we think so too. We know that we don't have that there is really broad agreement on most of the things I've said. Maybe not everything, but most Canadians would say yes. That's the direction. Et je pense que c'est. Enfin, nous pensons aussi que c'est ce qu'il nous faut, et je pense que la majorité des Canadiens et des Canadiennes seraient d'accord avec ce que j'ai dit ici. Peut-être pas sur tout, mais en tout cas sur la majorité de ce programme. So I would say we have the elements of the program. Donc, je dirais que nous avons en ce moment les éléments du programme. We have people, organizations across the country who are already fighting, been fighting for a long time. On a des gens dans plusieurs organisations à travers le pays qui se battent, qui se mobilisent et qui se mobilisent depuis longtemps. And often not winning. Et souvent sans obtenir gain de cause. So we have, I suppose, a simple way to describe what our proposition is that we have the women's movement, which took a big beating after the Status of Women organization was defeated. But the new government has done one good thing, and that is to restore funding to the Status of Women. So the possibility of rebuilding with the institutional support a mass women's organization that was so important before they had their throats cut, we need to work on that again today. Et donc, dans les mouvements, pour faire une petite typologie, on a le mouvement des féministes, mouvement féministe avec ancienne, malheureusement, qui a pris un dur coup quand le précédent gouvernement avait mis fin au Conseil du statut de la femme, mais heureusement, l'actuel gouvernement a décidé de possiblement redonner des fonds et donc être capable de reconstruire ce mouvement avec un soutien institutionnel, c'est un développement positif très important. We have the Canadian Labour Congress and all of its affiliates. And we have the Quebec Union, CSN and others, all of whom have been fighting major battles individually, but also some to en masse, like the pension fight, but not too much progress. On a aussi le mouvement syndical avec le Congrès du travail du Canada et ses organisations membres, comme et bien sûr au Québec la CSN et les autres syndicats qui se sont battus parfois de façon individuelle, parfois avec d'autres, souvent sans gain. So they too could be and need to be at the core of the fight, the women's movement, the trade unions, organizations like the Council of Canadians, which have played such an important role in the fight against the TPP and the fight to keep resources public like water and other important struggles that they've been involved in. Donc tous ces groupes doivent, de même que le Conseil des Canadiens qui a joué un rôle très important
pour contre le partenariat transpacifique et pour le maintien de la gratuité de l'eau et des ressources naturelles. Tout ça doit faire partie de cette coalition populaire. The seniors, the youth and students, the farmers, the specific groups around the environment, all of these groups can come together. De même que plusieurs autres groupes comme les associations de retraités, de jeunes, des associations environnementales, etc. And we already have some elements of that. Many of these groups have come together to fight against government policy. But what our proposition is that we need to come together to fight for new policies and a new kind of Canada. Et on a déjà vu certains éléments de cette coalition populaire se mettre en branle en se mobilisant contre certaines politiques. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de réussir à les unir, de réussir tous ensemble à revendiquer une nouvelle politique pour construire un nouveau Canada. And the participation should be open to everybody who agrees on the program. And the program needs to be negotiated by all of the partners. But if you agree with that program, you should be in. That would include political parties as well as civil society groups. Everybody. We're trying to build something very big. Et on essaye de mobiliser le plus large possible. On essaye de mobiliser tout le monde qui est d'accord avec le programme. Autant des partis politiques que des organisations ou des individus et des organisations de la société civile. And so let me just say a couple of words about the, I guess, Québec Solidaire, which is an organization that has piqued great interest by progressive people across the country. Aha, they say, a political party that maybe we could be interested in. Donc, laissez-moi vous glisser mot maintenant au sujet de Québec solidaire. Québec solidaire a eu un certain impact à travers le pays, puisque plusieurs personnes se disent, voilà, enfin un parti politique dans lequel nous pourrions être, pour lequel nous pourrions avoir de l'intérêt. Well, Québec solidaire, its origin started on the basis of people from the labor movement coming together and agreeing on a program they wanted to fight for, and then others coming on board. Les origines de Québec solidaire, c'est justement des membres du mouvement syndical et des mouvements sociaux qui se mettent ensemble pour justement ce genre de politique progressiste comme celle que nous voulons dans notre coalition populaire. Et ensuite, il y a eu un regain d'intérêt. Et c'est comme ça que s'est formé le parti. So the Communist Party is certainly interested in being part of a people's coalition. We think that Québec Solidaire might also be interested. We know that the NDP is currently in a huge uproar, having dumped their leader and being permitted by their top leadership to have a discussion for 3 years about the LEAP manifesto, not to do anything, but that at the local level they're allowed to discuss it. Well, we know that there are a lot of NDPers who are very unhappy with the direction that their party has taken, that they are interested in the kind of proposition that I'm putting forward here, that those are the kinds of policies they want to see. They wish their party would be advocating those kind of policies, and that's the direction they want to go. Et bien sûr, le Parti communiste a tout intérêt à faire partie de cette coalition populaire. Peut-être que Québec solidaire aussi accepterait d'en faire partie. Et dans la situation actuelle où le nouveau Parti démocratique est en pleine discussion, maintenant qu'ils n'ont plus de chef, ils ont et qu'ils sont autorisés par leur chef, leur grand dirigeant, à discuter du LEAP manifesto pendant 3 ans, évidemment, c'est pas du tout. Ils ont pas le droit. On leur donne pas le droit d'agir. On leur donne simplement le droit de discuter. Peut-être que c'est. On sait que plusieurs membres de ce parti sont en désaccord avec ce qui se passe à l'interne. Ben, peut-être que ces gens-là seraient bien intéressés si on pouvait établir une coalition populaire. Some progressive people, left-wing people, look at Europe and say, no, no, it's not a coalition we need, it's a new left-wing party we need, like perhaps Syriza or Podemos. D'autres progressistes ont les yeux rivés sur l'Europe et se disent que...
et se disent que... C'est pas de toi qui... Non, je sais, veux-tu la faire... Il a fait l'exercice de ça. On les yeux rivés sur l'Europe et pensent que ce qu'il faut, c'est pas une coalition populaire, mais un nouveau parti de gauche revisité, comme par exemple Syriza ou Podemos. So we don't think that's the solution. So why not? On ne pense pas que c'est la solution. I think if you look at what has happened in Greece with Syriza. So who are these parties? First of all, mainly they are the left wing of the old social democratic parties who have broken with those parties because they have been exposed as apologists for the multinational corporations, for big capital. And these people regard themselves as socialists. Many of them call themselves democratic socialists, and some of them in Europe have formed their own parties. So, Syriza, Podemos. Donc, premièrement, il faut voir l'origine de ces partis-là. Ces partis-là viennent d'où? Ben, en général, ce sont des gens qui ont quitté les anciens partis sociaux-démocrates, comme le PASOK en Grèce ou le PSOE en Espagne, et qui ont fini par créer ces partis-là, qui ont rompu avec les anciens partis, qui ont fini par créer Syriza ou Podemos, et qui se revendiquent parfois d'une forme de socialisme démocratique. And so the proof is the proof of the pudding is in the eating, as we say in English. So we look at what actually happened. What did they do when they had the chance? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'on leur a donné l'opportunité de prendre le pouvoir, ces partis-là? Well, it's a sad story. C'est une histoire triste. And as we all know, the Syriza in Greece mobilized the people to fight against the terrible terms that were being imposed on them mainly by the German banks, the European banks through the European Union. The people said no, and Syriza and its leader said, we will fight and we will oppose it under any circumstances. Si on prend le cas de Syriza en Grèce, le parti avait appelé à la mobilisation contre les mémorandums imposés généralement par les banques européennes et toutes les conditions qui ont donné l'austérité là-bas. Et ils ont appelé à se mobiliser contre ça. Ils ont appelé, même leur chef, Tsipras, a dit sous toutes circonstances, on va s'opposer à ça. And the Greek people said, you can count on us. We will follow you. We will support you. Et le peuple grec a dit très bien, vous pouvez compter sur nous. Nous, on va vous suivre si vous vous opposez. And the first opportunity they got, they dropped the ball. Syriza dropped the ball, and they brought home the worst austerity package of anything that had been offered before. Et alors, leur première occasion de s'opposer au mémorandum de la Troïka, ils ont négocié le pire mémorandum qui a été imposé au peuple grec. If you look at what's happening in Britain now, a lot of people look at Jeremy Corbyn, the leader of the British Labour Party, and say, that's the way to go. We'll change the British Labour Party. It will be a party of labour. Maintenant, si on se transporte en Grande-Bretagne, beaucoup pensent que... manifestent de l'espoir à l'égard de Jeremy Corbyn, en pensant que Corbyn, c'est le futur, que Corbyn va... revisiter et recréer le Labour Party, le Parti Travailliste. Well, I'm glad I'm not Jeremy Corbyn, because he has so many knives in his back from his own party, from his own caucus, that, well, if he survives the vote, they tried to prevent him even from running again to be the leader. If he survives, well, he'll be very lucky. Je me considère chanceuse de ne pas être Jeremy Corbyn parce qu'il y a tellement de couteaux plantés dans le dos par ses proches, par son caucus, par son parti, que moi, je me demande comment il fait même pour survivre encore aujourd'hui. So there's something fundamentally wrong here. It's not working. So what is it? Donc il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas. Il y a une contradiction.
So what it is that these are social democratic parties are fundamentally capitalist parties. And they have all of them, without exception, moved from their roots in the trade union movement into competing with liberal or conservative parties to represent big business in every country where they have, almost every country where they have been in a position to do that. Donc, le problème, c'est tout simplement que ce sont des partis capitalistes. Enfin, les partis sociodémocrates et les partis donc du système capitaliste et qui ont de façon tout à fait naturelle évolué de leurs racines qui vient du mouvement syndical vers un parti tout simplement qui compétitionne dans l'arène politique avec des libéraux et des conservateurs pour s'arroger une partie de la représentation des grandes entreprises. So in this great struggle that we are all interested in, all engaged in, to make a better world, another world, it's becoming very clear that you can't be a capitalist and do that. It doesn't work. Donc, il est très clair maintenant que, attendu le monde dans lequel on vit, et si on veut changer ce monde, on ne peut pas compter sur le capitalisme. At the end of the day, the simple question that workers ask each other during a strike is the big question before these parties and these people. Which side are you on? Et donc maintenant la question qu'on doit se poser, tout simplement, c'est la même que celle que posent les travailleurs lors d'une grève. De quel côté es-tu? If you think somehow you can make capitalism work, if you can make it better. Not gonna work. Si tu penses que tu peux humaniser et améliorer le capitalisme, ça marchera pas. If you think that you might be a socialist and you want to see some kind of a socialist future, that's the kind of world you want. We can work together. Mais si tu penses par contre que tu peux avoir que tu te considères vaguement socialiste et que tu penses que le socialisme c'est peut-être plus proche du monde. Que l'on veut bâtir, ben alors à ce moment-là, oui, on peut travailler ensemble. And I think that, you know, I'm a communist. I know some of you are, not all, but let me invite you. we can see the tremendous struggle that is ahead of our country and the peoples of the world. I won't tell you it's going to be easy because you know it's not true. Vous savez, je suis communiste. Je sais que certains dans la salle le sont également. Pas tous. Bon, ceux qui ne sont pas, vous êtes invités. L'invitation est lancée. Mais je sais que... on a une tâche énorme et que la lutte va être dure. Le chemin sera long. Je ne peux pas dire le contraire. Et vous le savez, sans doute. It is really essential to find the basis for all of the groups and all of the people, and they are the vast majority of the people of this country, the people of the world, who want a substantial change, who want to see another world, and many of them want to see a socialist world. There has to be some basis where we can come together and work to prevent a world war from breaking out, to prevent the loss of sovereignty and independence of states, to stop the development of fascist parties and the fascist movement which is growing around the world. These are urgent, immediate problems. Et je pense que il faut se mobiliser pour un autre monde, pour un monde qui soit à l'image de l'intérêt de la vaste majorité des groupes dont j'ai parlé en début de présentation, mais aussi donc la majorité des Canadiens et des Canadiennes. On a besoin de se mobiliser, on a besoin de se mobiliser contre le danger d'une guerre mondiale imminente, contre la destruction de l'environnement. Nous devons nous. So at the end of the day, we will tell you that we think that really the solution is socialism, and to the capitalism as a world system, as a global system, has reached the end of its life.
And it's misery, it is creating misery. And the way out is to get rid of capitalism and move on to a new social system. That's really the solution, in which people are primary. And the environment is primary, and the needs of people are primary. We can do much better than we are doing today. But we know that not everybody sees that same future the same way we do. But we do know that a great many people in this country want to see fundamental changes, and we can work together. And we think that the People's Coalition is the way, is the vehicle, if you like. And I better stop it. Bien sûr, à la fin, on va vous dire, c'est comme ça qu'on voit la chose, que le capitalisme est un système dépassé, un système qui est voué à sa propre à sa mort. Et que donc il faut passer éventuellement au socialisme. Mais bien sûr, pour le moment, l'important c'est de se mobiliser dans cette coalition populaire qui va être un véhicule qui va permettre toutes ces mobilisations, qui va nous permettre de faire mieux que ce qu'on fait déjà en ce moment, qui va nous permettre d'avoir un pays dans lequel la priorité est donnée non pas aux compagnies, mais plutôt au peuple et à l'environnement. And you all know what the Chilean people said after the terrible things that happened in 1973 with the Chilean coup. They said, a people united will never be defeated. And we should remember that too. A big fight ahead, but we will win. There's more of us than there is of them. Et nous devons nous rappeler l'adage, le slogan des Chiliens, une fois après le coup d'état de 73, un peuple uni jamais ne sera vaincu. On doit se le rappeler, on doit se le répéter, parce que c'est fondamental. C'est sûr que la lutte sera dure, mais on va la gagner puisque nous sommes plus nombreux qu'eux. Thank you. So what do you think? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Please. Well, I think you got a good idea. I'm Kebs. I'm from the Filipino-Canadian Youth Alliance from Toronto. And we're part of a largest Congress, the Congress of Progressive Filipino-Canadians. And our mandate has always been to help build socialism in Canada. My comment is, those are the programs that I believe our community would want, right? Especially the people of color. My comment is just that I think we, to build that people's coalition, what we also need to put forward to really tackle is to put also the struggles of people of color at the forefront, because the people of color, I'm not talking about specifically Filipino community, but the larger one, they are the most exploited, oppressed in Canada. So you mentioned it, I think what's happening, you know, for the people of color here in Canada, like that's why somewhat we're alienated to like communist like politics or this talk, is that we don't see that discussion that we're included. I know that the Communist Party has been talking about it. That's why I started talking to you, because I saw the tweet on Twitter. I think it's the only party which stated that you are for landed status for migrants and immigrants. So yes, we want a path to citizenship for everybody. Mm-hmm. So my comment, or you know, just I think you've talked about this too, is that I think we should put forward the struggles of like the Aboriginal, Indigenous, and the people of color at the forefront, because if you look at the most oppressed and exploited in Canada, it is the people of color, and especially the women too. Thank you. Well, certainly if you look at our
party's program and platform, we would see the question of the indigenous people is a question, it's the national question. And it is very similar to the, in some respects, it's very similar to the question of Quebec within Canada. This is a birth that was born at the point of a gun. So until that fundamental inequality is corrected through renegotiation of the constitution, a new constitution that would give voice, equal voice to English-speaking Canada, Quebec, Indigenous peoples, and other under other nations in Canada, by which I mean the French in Quebec, the Acadians. Thank you. And you have two houses of parliament, so you can eliminate the House of Lords, I call them, the Senate, but they all think they're lords, and replace it with the House of Nationalities, so that any law passed in Canada would have to pass through both houses, which would guarantee, would provide some major guarantees of equality and respect for one another, and guaranteeing also the right to depart if it doesn't work, the right to leave. Because self-determination, if it has any meaning, it also includes the right to leave, like a marriage between a man and a woman. If you want equality, you have to have the right to divorce. That doesn't mean you have to divorce. It means you can if you choose. Can you? Okay. That's a mouthful. Donc, question, those are important ideas. La question tournait autour des gens de couleur et puis des peuples autochtones qui sont sous-représentés, qui doivent être plus qui doivent être plus enfin, dont on doit soutenir les luttes. Et la réponse de Lise, c'est que dans notre programme au Parti communiste du Canada, la question des peuples autochtones fait partie d'une question plus grande qui est la question nationale. La question nationale, c'est un peu aussi enfin, la question du droit des autochtones, c'est aussi la question du Québec au sein du Canada. C'est une question fondamentale dans notre pays qu'on ne peut pas en passer outre. Et puis avec la question nationale, ce que nous revendiquons, c'est l'égalité entre toutes les nations qui constituent le Canada, que ce soit le Québec, les nations autochtones et les Acadiens aussi. Et comment y arriver à cette égalité? Eh bien, c'est en sabrant tout simplement le Sénat et en le remplaçant par une Chambre des nationalités où chaque nation aurait un nombre égal de sièges, qui ferait donc une espèce de... qui équilibrerait qui leur donnerait une existence en tant que nation. Et tout ça, c'est aussi... c'est une réforme, c'est fait partie d'une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution doit aussi garantir le droit à l'autodétermination de chacune des nations qui constituent le Canada, et elle doit aussi permettre et bien sûr quand on garantit le droit à l'autodétermination, ça veut dire qu'on permet aux nations, si elles le souhaitent, de se retirer. Donc donc au lieu d'être une fédération ou une confédération, ce serait un partenariat égal et volontaire entre chacune des nations. The other question about indigenous peoples is genocide, which has been the policy of European governments which arrived here in Canada for more than 500 years. And so the solution to this is the question of land claims. They must be settled, and fairly. And the second question is the living conditions of the people. That there must be massive investments to guarantee the health care, the housing, the education, self-government, self-determination of Aboriginal peoples. These are fundamental things. Yeah. Even the Liberals had some understanding of that, but when they put some money in their budget towards some of these things, but it's very far short of what's required. Maintenant, quant à la question des nations autochtones plus particulièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique jusqu'à maintenant, la politique qu'on leur a imposée, c'est une politique de génocide. Un génocide qui a été perpétué par
par les puissances colonisatrices européennes et qui continuent sur certains aspects encore aujourd'hui. Et la façon donc de régler ça maintenant, c'est d'abord à travers les revendications territoriales. S'assurer que les revendications territoriales soient réglées et de façon juste et équitable. Le deuxième point, c'est a trait aux conditions de vie des Amérindiens. Et ça passe, et donc, ça demande beaucoup d'argent. Rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il semble que les libéraux aient une certaine compréhension du problème. Mais quand on voit après dans les faits ce qu'ils font, oui, dans leur dernier budget, ils ont alloué une certaine somme à ce sujet, mais c'est beaucoup trop peu vu la situation. And the third issue is the question of racism, and particularly as it relates to immigration. And we have an immigration policy in Canada that was put together by the Conservatives. And if you have money, come on in. And otherwise, you're cheap labor. You're cheap. You have no rights, and you leave when your corporation is finished exploiting you. That's the current policy. Le troisième point de la question avait trait à notre politique sur l'immigration. La politique migratoire au Canada, ce qui était l'actuelle politique migratoire qui est donc résultante des années de gouvernement conservateur. C'est une politique qui ouvre les portes à tous ceux qui ont de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent doivent former une main-d'œuvre bon marché. Et s'ils sont, et puis le jour où leur entreprise ferme, ben, ils n'ont qu'à s'en aller. Et puis pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils sont ici, ils n'ont absolument aucun droit. So we want to do away with the foreign temporary workers program. This is a cheap labor for corporations. That's it. And we would argue this way. Canada is a big country, a rich country, with a very small population that's getting old. And we need immigration. Canada needs immigration. Donc nous, ce que nous voulons, c'est une. Donc nous voulons finir avec l'immigration qui. On veut en finir avec le programme des travailleurs temporaires, qui est ni plus ni moins qu'une source de main-d'œuvre bon marché pour les grandes entreprises. So this means that workers who come here either temporarily because they don't want to live here, or who want to become citizens should have that option. They should be covered by the labor laws from the day they get off the airplane, the day their foot touches Canadian soil. They should have all the rights of Canadian citizens, including the right to vote in municipal and local elections. Et bien sûr, nous, donc, ce qu'on pense, c'est que le Canada est un pays avec une faible population et qui, en plus de surcroît, est vieillissante. Donc, on a besoin de l'immigration. On a besoin de ces immigrants qui viennent chez nous. Et on pense que les immigrants qui arrivent au Canada, dès qu'ils arrivent au Canada, devraient pouvoir se prévaloir de tous les droits tous les droits, par exemple, en ce qui a trait au travail, pour qu'ils puissent se prévaloir de tous les droits de n'importe quel autre travailleur canadien, et même de plusieurs autres droits civiques, notamment et incluant le droit de vote aux élections municipales. And finally, on the issue of racism, well, we have laws in Canada that need to be enforced and strengthened. Par rapport au racisme, nous avons au Canada des lois qui doivent être renforcées. So so enforcement is very important because it is illegal in Canada to discriminate around housing or employment, but it happens every day. Or policing. La question de les appliquer, c'est très important puisque en théorie c'est illégal de faire de la discrimination raciale sur par exemple sur la question du logement, mais en fait ça se passe tous les jours.
And of course, this has to do in large part with the whole austerity neoliberal agenda. It has to do with making more profits and with smashing the rights of labor, people's rights, civil rights. It's all part of this package. Et tout ça, c'est lié à la feuille de route néolibérale qui veut imposer encore plus d'austérité, qui veut en finir avec les droits sociaux, qui veut faire baisser les salaires, etc. So yes, it has to be on the front burner. It's one of the important questions that has to be addressed. There are a lot of them, but this is one. Donc oui, c'est une des questions. Il y a plusieurs questions, évidemment, que notre coalition populaire doit débattre, mais ça, c'en est une que l'on doit mettre de l'avant. Tout à fait d'accord. But I might just add one thing here, just very quickly, and that is that people need to understand that if they can pay you less because of your skin color, or you because of your gender, that you are next. We all have to stand together. It seems self-evident. My name is Duncan. I'm from Boston. I'm a socialist. And Bernie Sanders. Right. That's it's interesting that Bernie Sanders has put socialism back on the national agenda, regardless of what exactly you think about his policies. He still calls himself a socialist, so that is actually a very positive step. Absolutely. It's now a mainstream political position to take. My question is, I mean, I think the idea of a people's coalition is certainly worth trying to make it happen. I mean, is there some plan to have a conference or a new organization, or, I mean, how does one go about trying this out? Well, let me make two quick comments, which is one about the U.S. elections, because I can't resist, if I may. The first is that an observation I think we made in our convention, recent convention, was that the support for Trump could be considered a barometer for the public's tolerance of fascism in the United States. And the Sanders campaign could be considered a barometer of support for a social democratic party, a third party in the United States. And I think, so you see these, you know, massive divisions and struggles unfolding there that are pretty significant in terms of world politics. Even if, and I don't want to say, I'm anticipating that Trump will not get elected, because there's a lot of time between now and then, a lot of possibilities. But even if the whole issue of what happens to the Sanders forces, the people who fought for a different line in the Democratic Party, where are they going to go? Do they just say, oh, well, we lost and disappear? Let's hope not, because this also has to do with the future of the United States, and that certainly is important to Canada. We're next door. We're your northern neighbors, and to enter the world because of, you know, their imperialism. Do you want to say I don't know if we'll do it. Okay. You're good. You'll figure it out. Yeah, I'll summarize. Donc, premièrement, j'aimerais juste faire un petit commentaire sur la question, notre amie ici vient des États-Unis, et elle peut pas résister donc de glisser un petit mot sur la campagne électorale aux États-Unis. La campagne électorale aux États-Unis, donc, c'est une remarque que nous avions faite lors de notre dernier congrès, qui est que probablement Trump pourrait être un baromètre pour un baromètre pour l'acceptation du fascisme dans la société, et d'un autre côté Sanders pourrait être un baromètre pour la création d'un parti social-démocrate aux États-Unis. Bien sûr, on ne peut pas anticiper, mais il y a de fortes chances que Trump ne soit pas réélu. Mais pour nous au Canada, c'est quand même intéressant de voir toutes ces dynamiques qui sont en jeu. Parce que, mine de rien, on partage les plus grandes frontières avec les États-Unis, on est voisins du Nord, et puis c'est aussi important pour le reste du monde, puisque les États-Unis constituent toujours le cœur de l'impérialisme.
So and of course, you know, the world is getting to be a smaller place. So what happens, you know, when one place affects everybody? So you know, people who identified with the Sanders campaign, these are progressive people in the United States, and hopefully they can find a way to organize and move forward past the election. The election is one moment, a very important moment, but there's going to be 4 years after this, and I would say the struggle against fascism in the United States is at quite a critical point. You know, if you cannot have a fascist foreign policy without and not have consequences at home, and I would say it's coming home now in the campaign around Trump. Their policies, their actions are extremely frightening on a global scale, and I think that's the struggle that needs to go forward after the convention. Some observations after the election about the. Mais donc un commentaire sur l'élection, mais il faut pas oublier qu'il y a l'après-élection. L'élection, c'est un moment très important pour se mobiliser, mais il faut pas oublier quand même que entre deux élections, il se passe 4 ans et on peut espérer que ces gens qui sont identifiés à la campagne de Sanders sont des gens plutôt progressistes et maintenant il faut se poser la question de comment ils vont se mobiliser après, pendant les élections. Et un des points importants, il me semble, de cette mobilisation devra être la lutte contre le fascisme aux États-Unis, parce que on peut pas seulement avoir des politiques étrangères fascistes sans penser qu'il va avoir des répercussions à l'échelle interne, à l'échelle du pays, et c'est justement ce qui est en train d'arriver peut-être avec Trump. So about the obstacles, I think the question of the People's Coalition. Should we call a meeting? We could call a meeting. If we did, I think that there would be a lot of spots missing around the table. And so we certainly issued a call from our party saying this is, as we are doing today, saying we think this is the way out. But we know that there are big organizations, for example, the Canadian Labour Congress, which have very long... decades-long ties to the New Democratic Party. And while one of their previous vice presidents, Nancy White, told the CBC some years ago, more than 10 years ago, that the Labour movement and the NDP have been sleeping in separate bedrooms for some time, the fact is there is still a very strong tie there. So what does that involve? What kind of tie is that? Well, the Canadian Labour Congress has for many, many years, I would say, had a very centrist or even right-wing leadership. And most of those people have been members of the NDP. And the only person who broke the slate, if you will, was Jean-Claude Perrault, who was a candidate of the Action Caucus, a left-wing caucus in the Canadian trade union movement. But in the main, that leadership remains very closely connected, intertwined, members of the party, etc., with the NDP. So what has happened there? Well, at their last convention, since you're from the States, you may not be gripped with Canadian politics, but recently this spring, there was an NDP federal convention, and the convention was a huge uproar, and it had to do with the question of what direction the NDP is taking. And what direction Labour is taking, and where the people's movements are going, and where the NDP caucus is going, and they're going in, you know, different directions. So, we would say, cut the strings, boys, and let's sit down and work on something where we all want to go. Very easy to say, yeah. It's easy for me to say. That's what I think they should do, but. Thanks, Drew. I'm sorry. Carry on. Okay. Donc maintenant. I do. Sorry. Faut que t'apprennes à faire ça. You have to poke me. Sure. Okay. Yeah, but there's a camera. Oh no, there's no more camera. Okay. Yeah. I can do it. You can. You can feel free. Notre ami ici parlait de la.
donc poser une, dans sa question, il demandait quelles étaient les étapes à franchir avant les étapes concrètes à franchir avant d'arriver à cette coalition populaire. Et il proposait notamment, il demandait si une conférence avait été convoquée. Et alors la réponse c'est que on pourrait bien sûr convoquer les mouvements sociaux autour de la table. Le problème c'est qu'il y aurait beaucoup de chaises vides. Parce que, par exemple, pour donner un seul exemple, le Congrès du travail du Canada, qui est donc le mouvement syndical, n'est pas autour de la table. Enfin, a des liens intrinsèques avec le parti néo-démocrate, le NPD. Et donc, plusieurs exemples. L'un d'entre eux, c'est que c'est pas nouveau, c'est depuis des décennies. Par exemple, les hauts dirigeants du Congrès du travail du Canada sont liés ou ont déjà été candidats même pour le NPD, sauf une fois où il y a eu à la direction quelqu'un du caucus d'action qui s'appelait Jean-Claude Perrault. Parot. Donc aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a malgré cette petite digression, il y a un lien presque intrinsèque entre le mouvement syndical et le parti néo-démocrate. Et aux dernières élections, d'ailleurs, au dernier congrès, il y a eu justement un grand remue-ménage, voilà, et un grand débat avec les gens du mouvement syndical. Du NPD gens du mouvement syndical qui ont essayé de voir justement et de réévaluer quel genre de connexion avec quelle tendance on va s'afficher, comment faire aussi pour que le NPD représente mieux ce qu'il représentait avant, etc. Nous, ce qu'on dit, alors c'est on le dit, mais c'est pas facile à faire après. On le dit à ces gens qu'on côtoie dans les luttes. On leur dit clairement, peut-être que vous devriez tout simplement couper les liens avec le NPD. Mais c'est facile à dire, mais après, faut-il que le message passe et soit bien compris. So you have this odd situation where for many years, when the economy was turning over pretty well, the same labor leaders would say, well, you leave the collective agreements to us, we'll negotiate those agreements, and we'll leave politics to you. You, the NDP, can do the politics, we'll do the bargaining. À l'époque où l'économie allait bien, il y avait une espèce d'accord tacite qui était que entre le mouvement syndical et le NPD, le NPD s'occupe de la politique et les syndicats s'occupent des conventions collectives. That's the same situation with the QFL here, by the way. C'est la même chose ici, d'ailleurs, avec la FTQ. But then contradictions start to arise. The NDP is saying, well, maybe you should accept those concessions, those austerity measures in the social field, in the economic, they have agreed to things they should never have agreed to. You should go to war, you should do this and that. And in the trade unions, they're saying, no, wait a minute, we want higher wages, not lower wages. We want the defined benefit pensions, not the shit that the companies are trying to sell us, and so on. So you get this increasingly sharp differences between the NDP and the labor movement. Mais maintenant, avec la crise économique, maintenant que les contradictions du capitalisme refont surface et sont dévoilées au grand jour, le NPD commence à dire parfois aux syndicats, peut-être que vous devriez accepter telle ou telle mesure d'austérité, peut-être que vous devriez accepter telle réduction de salaire. Par contre, évidemment, à l'opposé, là, les centrales syndicales, évidemment, n'acceptent pas nécessairement toutes ces concessions. I would say here in Quebec, the situation is similar with the PQ government, which were for a long time told people they were the party of labor, but increasingly, maybe not. Ici au Québec, c'est un peu pareil, parce que pendant longtemps, le Parti québécois se présentait comme le parti du travail, mais peut-être pas, en fait, finalement. So, there's j'ajouterais que
excuse-moi, j'ajouterais qu'effectivement au Québec, on peut voir justement le Québec solidaire est atteint parce que cette rupture commence à devenir de plus en plus grande entre les leaders syndicaux et les Québécois. So he was adding a point on Quebec. In Quebec, we're seeing exactly the same, well, we're seeing this situation, but it's kind of evolving because now that we have Quebec Solidaire, the labor, there starts to be some kind of a distance that's been instored between the PQ, the Parti Québécois, and the labor movement, which is now, and the leadership of the labor movement. So we don't have that third party yet. We have the Communist Party, but not a mass party like that. Donc on n'a pas ce, on n'a pas encore ce parti qui va nous permettre de transposer d'être la prolongation politique des luttes dans la rue. On a le Parti communiste, mais on n'a pas de parti de masse encore. I just wanted to say that also, you know, there. But Labour is not united in this position. We have in Ontario. The Ontario Federation of Labour, which is a provincial federation, like a state organization, which had a different opinion. And they put together a coalition of forces which included the people's organizations in Ontario. It was called the Ontario Coalition. And it was built on the We Are Wisconsin coalition, which was against, you probably are aware, which fought the austerity and the huge cuts to municipal services, and some of those speakers came to Ontario, and the conclusion of the progressive sections in the labor leadership was that's the way forward. We have to build up that kind of unity between labor and the people's movements around our common interests. Well, there was a big struggle, there were some defeats, but that's the way forward too, because that's something that will lead in the direction, we think, of a people's coalition. It's one of the concrete evidences that it's possible to bring people together around, you know, common interests, common program. Et par contre, en Ontario, il y a une donc il y a une La Fédération du travail de l'Ontario s'est mobilisée un peu en prenant pour modèle une coalition qui s'est mobilisée contre la coupe des services municipaux au Wisconsin. Et donc en Ontario, la Fédération du travail de l'Ontario s'est dit que c'est peut-être plutôt dans cette voie qu'il faut, c'est cette approche qu'il faut adopter, cette approche de mobiliser, de mettre en marche tous les mouvements sociaux, tous les mouvements progressistes, etc., qui font le choix de la lutte. But there's some other obstacles too. For example, organizations like the Council of Canadians, which is an All Canada character and quite a powerful organization, their view is we're doing fine by ourselves, just leave us to do our own thing. Or you have environmental organizations that say, well, we are interested in the environment. We're not interested in those other things. And our answer is, okay, we understand that, but we also draw to your attention that if you are fighting on your own, your chances of getting beaten are a lot bigger. So we can have a fight here, a fight here, a fight here, a fight here, and we can get see defeats and setbacks and no progress, but if we all fight together, we can see advances. We can win. Et un autre problème qu'on a, si on voulait convoquer une conférence tout de suite, ce serait qu'il y a plusieurs groupes, notamment le Conseil des Canadiens ou alors certains groupes environnementalistes qui ont cette approche aujourd'hui de travailler seul, chacun de son côté. Et nous, notre réponse a toujours été de dire, on comprend, on respecte, mais quand même, n'oubliez pas que si vous vous battez seul, on va être éparpillé dans tous les coins et puis on va avoir beaucoup plus de défaites que de victoires, alors que si on se met tous ensemble, on a beaucoup plus de chances de gagner. When I said we can win, by the way, this won't result in the defeat of capitalism. I am sorry, but it will take more than that. But this will be very important
very important step to move the labor and people's movements from a defensive to an offensive position. And that's where we need to get to. We need to get there. And then we can look at, you know, with the course of that struggle, we'll be in a much stronger position to take next steps, which we think inevitably will lead to a, you know, conclusions that socialism is the next step in human history. But let's start where we are, and I invite you all to think about that. Et bien sûr, on, donc quand je dis qu'on peut gagner tous ensemble, je précise quand même que ce n'est pas le socialisme qu'on va gagner. Pour gagner le socialisme, il faut beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup plus que ça pour mettre fin au capitalisme. Par contre, ce que ça peut nous permettre de travailler tous ensemble, c'est de faire passer les travailleurs et toutes les couches de la population qui se mobilisent dans la riposte d'un point de vue défensif vers un point de vue offensif. Mais, et ça, c'est donc, pour ça qu'on doit pour le moment travailler tous ensemble. Éventuellement, peut-être, la conclusion viendra d'elle-même que le socialisme est le modèle que l'on doit construire. Mais d'abord, il faut nous mobiliser et faire ce premier pas qui va nous permettre éventuellement d'atteindre le socialisme. Just here's another incentive to this process, and that is that we are probably in the third quarter of economic contraction of the Canadian economy, which means that we are not pulling out of the recession, we are getting deeper, and things could go south very quick. We could face another economic crisis, a really big one, and probably of a global character, with the accompanying growth of reaction and fascist movements. I mean, there is a real incentive here to turn the train around. Une dernière remarque. Nous sommes en ce moment ça fait trois trimestres que le Canada est en période de récession. Donc ça veut dire que dans les jours qui viennent, enfin dans les années à venir à court terme, il ne serait pas impossible de connaître une autre crise économique, mais cette fois-ci une très grosse crise économique. Je traduis. And I also understand the Americans, the U.S. administration, Trump and Clinton, have been told that it's possible to have a nuclear exchange and survive. And if they believe that, then we are in, you know, it's even worse. So I don't want to scare you. I want to give you enthusiasm for the, you know, it's, you can't go much lower. It's forward from here. On a rien à, donc évidemment, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est simplement vous dire qu'on ne peut pas aller beaucoup plus bas que là où on est. On n'a que nos chaînes à perdre et à nous d'aller de l'avant. Thank you all very much for coming. Good? Yeah. Good. There's comrades and friends, there's